Donne-moi tes mains. T'as un visiteur, le boucher. C'est mon avocat? Non, un ami. Assis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous? Tu sais qui je suis, Denis. On s'est rencontrés aux urgences. Rappelle-toi, amigo. Pratique. Je tenais à te dire combien j'étais désolé de la tournure qu'ont pris les événements. Mais c'est la volonté de Dieu. Il faut que tu l'acceptes. Tu portes mon costume ? Oui. Je me le suis permis, compte tenu des circonstances. T'as des fringues sympas dans ton dressing. C'est pas mon style, mais je vais m'y faire. Tu habites chez moi ? Avec ma famille ? Que leur as-tu fait ? Détends-toi, vieux. Je te jure que si tu fais du mal à ma famille... Non, ne fais pas de soucis. Jamais je ne les toucherai. C'est une bien jolie famille. Tu ne sais pas la chance que tu as, ta femme, tes gosses, ils t'aiment tant, ils sont tous en admiration devant toi, même tes collègues à la banque. T'es allé à mon travail? Ouais. Tu peux pas me remplacer comme ça. On verra. Je viendrai te rendre visite régulièrement. Comme ça, je pourrais t'apprendre à t'en sortir ici, en tôle. Et toi, tu vas m'apprendre à m'en sortir à l'extérieur. T'es un dingue. Jamais de la vie. Comme tu veux. Mais réfléchis, désormais le seul lien que tu as avec ta famille, c'est moi. Tu veux que je me casse? Je sais que ça craint pour toi. Tu es innocent. Mais même si tu es condamné à mort, Dieu te pardonnera puisque tu n'as rien fait. Moi, c'est mon seul espoir d'obtenir le pardon. Tu comprends? Bon. Je reviendrai dans quelques jours. T'inquiète, ça ira, tout va bien se passer. Je vais prendre soin de notre famille. Je vais la protéger. Et je vais l'aimer comme toi, tu l'aurais fait. Amuse-toi bien.